So on, Master. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom de l'épisode de Far Cry Primal, chers amis. Waouh! Regardez la vitesse à laquelle la lune se lève. Qu'est-ce qu'il me voit? Ça ne m'intéresse pas. Je fuis allègrement. Compétence, on a des nouveaux trucs. On a 2 points de compétence, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc, dans le coin, on a lui à aller buter. Eh ben écoutez, on va se faire ça, chers amis. Hop, on y va. Moi je me TP, j'en ai plus rien à foutre maintenant. C'est la fête. C'est la fête, c'est la fête. Hop, crac. C'est par où? C'est par là. J'ai plus aucune raison de ne pas le faire. Qu'est-ce que... On va pas s'embêter. Cassez-vous. Voilà. Alors j'ai cru voir une grotte. Je me rappelle plus s'il faut passer par là ou non. Boum. C'est possible. Oui, c'est ça. Vous devrez préparer l'antidote pour le poison. L'antidote pour le poison, t'es un rigolo toi. L'antidote pour le poison, je suis censé le trouver où? D'accord. On y va. Les terroux d'âme. Voilà, on est passé. Traverser les gorges d'âme. D'accord. C'est joli. Personne. C'est ça qui m'intrigue le plus. Oh, je l'ai raté. Bon, bah lui, il m'aura pas fait long feu. Bien joué. Cela dit, petite vision du chasseur serait peut-être pas plus mal. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Parce qu'au final, on voit strictement rien là-dedans. Hop, cèdre du nord. Pourquoi pas? C'est quand même flippant comme endroit. Ok. En douceur, Marcus. Il n'a rien vu. Comme ça, puis je ne vois pas sa tête. Ah bah si, je l'ai vu. Je l'ai bien vu, sa tête. Ok. Bon. Jusque là ça va. C'est rigolo, faut que j'en arrive là pour commencer à faire de l'infiltration. Je peux le fouiller, merci.
Tant qu'on n'a pas une autre scène de sexe, là, moi personnellement, ça me va. Hein. Il paraît qu'elles sont très nombreuses une fois que vous avez fini les problèmes avec les Oudames, parce que tout le monde va copuler. Honnêtement, si c'est ça, pas plus mal que je coupe la série avant, quoi. Alors, il y a clairement un passage secondaire. Est-ce qu'on se permet de le prendre? Parce qu'apparemment, faut descendre. Wow, il y a du monde. On se permet. On va laisser tomber des pièges au fur et à mesure, à mon avis, je pense. Genre des bombes à piquant. Ça peut être rigolo. Hop. Ma bébête qui attaque. Ma bébête qui attaque. Et tu ne feras pas de mal à ma bébête. Voilà. Ah, il est en train de brûler. Ah, il est en train de brûler. Ah, c'est bête. Oh, moi aussi je brûle. Ok. Des cailloux qui tombent ou c'est... Attendez, parce que s'il est pas tout seul. Si je voulais, je pourrais monter là-haut. Pour faire quoi? Excellente question. Ok. Attention. Ok. On a déjà au moins deux Oudames. Un Oudame restant. N'a rien vu, vous inquiétez pas. Non! Putain, ils m'ont vu. Non. Aïe. Hop. Non. Tiens, la flèche dans le genou. Ah merde. Vas-y, monte. Oh. Et le mec il continue à grimper hein. Alors lui par contre je vois pas où est-ce qu'il est du tout. Ah putain il était là-bas. Oh je vais tellement te faire du mal. Mon ami. Crac. Hop. Boum. Un peu trop haut. Bam, tire à la tête. Problème résolu. Bon. En espérant qu'ils aient pas appelé les autres. Parce que moi personnellement j'aurais bien continué là-bas. Mais je pense pas que je puisse m'accrocher quelque part. Hop les. Non, non, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas.
ici. Oh, tes flèches, elles sont toutes loupées dans le coin. Traverser les gorges d'âme, ça c'est fait. Cèdre du Nord. D'accord. On peut voir qu'il y a différentes choses dans le coin. Hop. Camp des pillards ou dames. D'accord. Encore pas au bon endroit. Les attirer ailleurs. Tu crois que tu pourrais l'avoir celui-là là-bas? Je vois personne d'autre. Mise à mort, parfait. Je vois personne d'autre, c'est rigolo. Si le camp était littéralement à découvert. Merde. C'est quoi? C'est l'heure de la relève, non? Les gardes, ils sont partis, ils attendent le... Ou alors ils font des manifestations dans la rue? Ah. Non. J'ai manqué d'être grillé, mais... Va savoir par quoi, je n'ai rien vu moi sur le coup. Vision du chasseur. On va avoir vu les mecs. Ok. Ok, attendez, attendez, il y a moyen de faire un truc là. Attaquez-vous entre vous, les mecs. Ah, ma bébête est morte. Bébête est morte. Celle-ci. Hop, attaquez-vous entre vous. Boum. Boum. On peut regarder si vous voulez. Hein. Oh merde. Ah, moi, il y a encore quelqu'un d'autre qui me regarde. Je ne sais pas d'où. Ah, c'est lui. Hop, ils m'ont vu. Hop, les. Ok. C'est toi qui m'as vu? Ah oui, c'était toi. Enfin, t'étais de mon côté, moi. Ça, par contre, j'aurais préféré l'éviter. Soyons honnêtes, hein. Tous s'ils sont deux. Tiens, d'ailleurs, s'ils sont deux. Bats-toi contre ton pote. Battez-vous entre vous, les mecs. Je préfère.
Boum! Voilà! C'est comme ça qu'on fait. Hop! Crac, voilà. C'est presque trop craqué, honnêtement. Ok. Bon là on a un tas de cadavres à récupérer hein. Ça c'était pas un cadavre. Bébête. Tiens mange. Hop. Crac. Cadavres aussi. Je vous rappelle que les Zoudams sont des cannibales, des mangeurs de chair. Alors, on remonte. Ok, c'est par là. Ah, c'était ma bête à moi, ça. J'avais tellement chié pour l'avoir. Hop, tiens, reviens. D'ailleurs. Hop. Enfin, j'ai mis tellement de temps à l'avoir. Plutôt pas tellement chié, pas plus que ça au final. Mais vraiment plutôt du temps. Du feu pour les Wenja. Atteignez le bûcher Udam et capturez-le pour les Wenja. D'accord. Le bûcher Udam. Il est loin. Oh oui, il y a du monde au milieu. Je présume. Ouais, non, on va pas attaquer le camp frontalement, pardon. On est fou, mais pas à ce point. Oh, ça peut être sympa ça. Plongeons. Regardez là. Hop là. Faites qu'il y ait rien dans l'eau. Des mini élevés, des mini trucs là. Oula. Ça pourrait être rigolo. Ça pourrait être rigolo. De la même Sajja. Si tu le dis. Allez. Vas-y, attaque. Attaque, attaque. Par contre, il veut faire des choses, mais après il veut plus les refaire. Bon, c'est pas grave. Hop. Alors, tu veux bien enflammer ? Hop, les tire à la tête. Vas-y. Hop les bouffés. C'est le dernier? Non, il en reste. Il en reste un qui est très très loin. Oh. Tu peux le faire avec une exécution, ça peut être sympa. Prends une exécution par le haut. Ce serait tellement stylé. Dommage, dommage. Hop là. Boum. Boum, je te pète le casque. Je te pète le casque, l'ami, moi.
Alors, la chouette. C'est chouette. Je la referai plus, je suis désolé. Je suis désolé. La chouette, c'est chouette, je ne la referai plus. Excusez-moi. Ok, on a le bûcher. Trouver la grotte d'Ul. Ok, mais sur la map, ça veut dire qu'on a fait quoi? Oh, d'accord, on est littéralement rentré dans son camp à lui. D'accord. Why not? Ça me plaît. Enfin, ça me plaît. Tout est relatif, mais ça me plaît. La balance de la compétence, on ira bien plus vite. Ça peut être intéressant. Surtout si on affronte des boss, ça va être pratique. Ok, donc c'est par là la grotte d'Ul. Vendu. Là, c'est une vindicte, hein. On va se venger. Il a rien vu. Il a rien vu non plus. C'est la tristesse pour ces deux-là. Hop. Non, je voulais pas faire ça. Hop, je voulais refaire quelques petites... Sale bête. Wow, non, c'est un yak. D'accord. J'ai manqué de me faire repérer par un truc, mais alors quoi? C'est pas un peu frontal comme comme tentative? Bah, je sais pas, ça me semble peut-être un petit peu bourrin. Je sais plus c'est laquelle la berserk. Hop. Je sais plus c'est laquelle la berserk. Bon, hop, vas-y. C'est celle-là. Ok. Ça fait peut-être un petit peu de monde en fait, hein. Ok. Hop. On va faire un brin le ménage quand même avant. Hop. Hop les. C'est pas grave, on y va. On y va, on y va, on y va. On ne s'embête plus. Allez. Taïo. Hop. Si on peut se faire quelques petites bombes supplémentaires. On a plus d'abeilles. Hop. Quelques pièges, c'est parfait. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. 26 secondes. Oui, jackpot. Jackpot, chers amis, tapez-vous entre vous. Oh, la magie. La magie, ça y est, ça se bourre. Ça se tape dessus, ça y est, c'est le début. Regardez-moi ça. Boum. Boum. Génial. Boum. Aïe. Boum. Boum. Tape-les. Crac. Oh, t'es pas drôle. Regardez, il attend qu'il tire la flèche. Oh, il m'a vu. Ah oui, il en restait dans le fond en fait.
Ok. Ok. Je suis un meilleur archer que vous. Ah merde. Tu dis ça et moment. Oh. Bon, c'est pas grave. On bourre. Aïe. Eh ouais. Toi par contre tu m'embêtes vraiment. Ouf. Flèche en bois. Ok, il est décédé. Il y a un tas de cadavres. Hop. Hop. Crac. Oh, la grenade, le lancer de grenade qui était magnifique. Ça, c'était vraiment la magie du cinéma. Ils se sont tous regardés, ils se sont fait « Non, je t'aime pas. » Ok. Dring, dring. Cool. Je suis chez toi. Ça, c'est pas cool. Oh, le bonhomme, il est tout seul. Tu connais l'histoire du mec qui s'est pris une flèche dans le cul? Bah, il en est mort dans une position bizarre. T'étais pas au courant? Tiens, mange un coup. Tu veux pas manger? Alors ne mange pas. Oh, y a encore des femmes. Encore des femmes. Ils font de la musique. Hop. Oh. Mais genre! Mais putain! Mais putain! Mais merde! Tiens, voilà. Coucou! En tout cas, ça fait réagir aucun guerrier. Donc d'avis de dire que je suis dans la bonne direction. Est-ce qu'il y a moyen de passer par un autre chemin, cela dit? Apparemment non. Parce que bon, buter des femmes c'est une chose. Buter des femmes cannibales c'en est une autre. Buter des femmes cannibales et volontaires pour copuler avec d'autres cannibales, c'est encore autre chose. Alors. N'a réveillé personne. En soi, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Je vois un passage par là. Personne d'autre semble-t-il. J'ai rien dit. Il y a donc bel et bien quelqu'un ici. Il y a quelqu'un juste à côté de moi en fait. Je suis pas dans le bon angle pour le tuer. Pour le butuer.
Bonjour. Je t'avais pas vu, toi. C'est con, parce que t'aurais pu survivre et tout ça. Mais je crois que maintenant c'est un peu mort. Toi, mon toit. Et bien sûr, il me voit. Oh! Oh! Et d'où est-ce que vous sortez tous? Mais putain! Mais merde! Vous n'existiez pas dans mon univers il y a quelques secondes! Hop! Tiens, bouffe ça déjà. Hop! J'ai aucun problème à écraser des abeilles. Hop! Boum! Tu veux la refaire? Damn! Bam! Voilà! Voilà comment je vais répondre à ta demande d'exonération d'impôts. Crac! Relève-toi! Tu m'envoies des cailloux? Raté, t'es mauvais. On voit par contre, mec. Montre-moi ton dos! T'as raison. Arrête de m'envoyer des cailloux dans le nez. Bien fait, ma bébête! Tiens, bouffe! Aïe! Le jeu, mais tu vas arrêter de taper sur ma bébête? Putain! Vas-tu décéder, finalement? Tiens, mange! Oh, il y en a un trou du cul qui me voit sans... Encore? Vas-y, saute! Je t'attends! Mes flèches, c'est bon de les récupérer. Yo! Boum! What? C'est quoi ce? Oh la vache! Y'avait pas R pour exécution? Non, y'avait R pour annuler le coup. Boum! Boum! Oh la gueule! Ils sont solides, hein! Ok, bon, problème résolu, on continue. D'ailleurs, on continue peut-être un petit peu en bourrant, un petit peu trop en sprintant comme ça. C'est quoi cette dame avec des gros seins? Il y en a partout. Ok. Et 2-1. Y'a rien d'autre dans le coin. Par contre, ouais, on est à peine discret, quoi. Par contre, y'a un passage. Moi, ce passage m'intrigue. Rien d'autre. Houl. Tu es Houl. D'accord. On est devant chez Houl. Parce que voilà, c'est... Ouf. D'accord, ça met dans l'ambiance. Vis-à-vis de ce dont on aura besoin.
laisser étourdir Houl. Tire à la tête. Hop, élimination multiple. F, tiens, bouffe. Ok. Peut-être qu'il va attaquer ses copains. La vache, prend cher. Ah, il est là. J'avais pas vu cet archer. Hop. Attaquez votre pote. Hop, les ratés. Les mauvais. Mouah. Hop, les. Viens par là. On voit des cailloux. Est-ce qu'il est menaçant comme méchant? Hop, pardon, excuse-toi. Hop, pardon, excuse-toi. Il s'est pris une flèche, mais non. Ça n'arrête pas, le garçon. Non. Toi, par contre, je t'arrête. Je t'arrête tout de suite. Bon, il est où? Où il est, mon copain? Il est là. Merde, il n'est pas sur le bon truc. Tiens, dans le nez. Je savais que t'aimerais. Oui. Non. Non, pas ma bébête. Allez, bien. Aïe. Eh bien. Allez, bien, je t'attends. Ça l'aura pas fait. Ça l'aura pas fait. Non. Access denied. Bon, on va arrêter de jouer à l'arc. Tu connais l'histoire du bonhomme qui a voulu se faire un coup de cure-dent? Aïe, du poison. 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 Bon, on va devoir prendre une bête un peu plus balèze. Des balèzes. Hop. Les mecs, je suis là, hein. Ça fait mal. Tiens, attaque le gros. Attaque le gros bonhomme. Il va me permettre de couvrir de flèches, c'est cool. Vas-y, bouffe, bouffe. Putain, toujours pas le cas, hein. Il est solide, le garçon. Par contre, oh bah d'accord, il s'est même téléporté, le garçon. Attendez, attendez, il se passe un truc. Il se passe un truc. Bah le voilà. Bonjour. T'as pas payé la dernière fois que t'es venu. T'es venu manger des wenja, mais t'as pas payé, t'es parti. Quoi? Seriously? T'es sérieux là dans le genre? On va le laisser aller voir son gamin? En fait, c'était un papa poule depuis le début. Non! Mais non!
Oh la vache. On n'est pas passé loin, hein. On a frôlé la catastrophe, hein. Je le sens pas. Je l'ai mis dans mon sac. Oh bah dis donc. Ouais. Ouais. Why not? Why not? Je m'attendais à mieux. Je m'attendais à beaucoup, 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 beaucoup mieux. Oups. Il n'avait pas d'oreille, effectivement. Ok. Il tient pas le bébé. Donc je pense qu'on a là une censure, chers amis. On a là une censure, je pense. Pour une raison ou une autre, je pense qu'on a une censure. En tout cas, c'est vraiment dommage, ça casse tout. Et oui, vous avez plein de fesses. Effectivement, je donne plein de fesses. Il n'y a plus de cris. Oh, il n'y a plus de cris. Elle est libérée des cris. Oh, c'est mignon. À mon tour de te faire hurler maintenant. Ok, bon, si tu le dis. C'est la fête. C'est la fête. Alors j'ai envie d'aller voir où sont le gamin. Alors, présumément, je dirais qu'ils sont avec l'autre. Oui, vas-y, continue à faire ta musique. Avec l'autre... ou dame. C'est là que je les aurais mis. Entre guillemets. Apparemment, je me trompe. Donc, soit ils sont là, soit ils sont au plus près de moi, c'est-à-dire dans ma caverne à moi. Ah non, je crois qu'elle m'appelait comme étant un Oudam, en fait. Vous savez, le Oudam qui appelle le Winja, justement. Ok, bon. Non, apparemment, ils sont pas là non plus. Bizarre. Vraiment bizarre. Why not, hein, mais bizarre. Ou alors peut-être avec le loup, c'est lui qui a eu la première interaction avec eux. Non ? Bon. Why not, hein ? C'est pas elle ? Oula, j'ai cassé le truc. Oups. Pas moi. Bon, 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 moi je les retrouve pas. Ah, attendez. J'ai entendu un cri d'enfant. C'est petit. Non? Je me trompe? Apparemment, je me trompe. Bon. Bon, bon, bon. Winja Gasuri.
Ok. Eh bien écoutez les amis, du coup on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, ne pas trouver le lien derrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop.